ACF, présenté par Jérôme Delaunay et son épouse. Et donc, c'est un fils, une fille, excusez-moi, d'Una Diva et de Loris Cato. Una Diva, souche, on peut dire, de la Roussonnière. On va marcher, s'il vous plaît. Roussonnière, souche Laguillonnière. Donc, Roussonnière et Una Diva, c'est une souche bien connue de son propriétaire, puisqu'il avait exploité le fameux Hilar en son temps. Et très récemment, les feux de la rampe ont brillé sur Bristol de Metz, quasiment voisin, puisque c'était un élevage tousan, et qui s'est illustré au niveau groupe 1, en Angleterre. Et là donc, Una Diva, une placée d'obstacle, avec une fille maintenant de Loris Cato, qui est née le 11 mars. La vente pour marcher, je pense qu'elle peut marcher, mais traîner là. Alors Una Diva, c'est la sœur de Tête Viva. Tête Viva était vraiment une classique parmi les AQPS, puisque Tête Viva avait gagné, avait été seconde du Chloris et du Glorieuse. Allez, voilà, deux classiques. Lâchez-la, ça va être plus simple, lâchez-la. On va trotter, vous. La mère, vous collez bien la barrière ? Oh. Allez-y, trottez et collez bien la barrière. Voilà. Donc une fille de Loris Cato, née le 11 mars, qui se débrouille bien toute seule, et qui devrait chercher sa mère dans le même temps.